Bonsoir, c'est Théo, merci à vous tous d'être présents pour ce nouveau bulletin de météo. On commence tout de suite avec notre début de semaine. Et lundi, demain donc, une journée arrosée sur le sud-est, notamment en cours d'après-midi et en soirée. Je répète, et je l'ai dit hier, on pourrait aller au-delà de 40 à 60 mm. En l'espace de quelques heures. Sur le sud-est, à l'ouest, les conditions seront mitigées aussi. On retrouvera après cette dépression et un ciel de traîne assez actif, donnant des averses parfois pouvant être orageuses, notamment près de l'océan le matin. Et ensuite, dans l'après-midi, ces averses à caractère orageux pourront se développer un peu partout sur la moitié ouest du pays. Voilà, donc ça c'est pour demain matin. On le voit très bien, la perturbation continue sa progression, gagne la région du sud, avec des pluies qui sont actives, notamment sur... sur la Méditerranée. Puis on retrouve quelques chutes de neige à haute altitude en montagne sur les Alpes, et puis on retrouve aussi d'autres chutes de neige qui peuvent être possibles à très haute altitude, c'est sur les Pyrénées. Sur la moitié nord, sur le bassin parisien, ainsi que la Normandie et les Hauts-de-France, on retrouvera des conditions mitigées là aussi, des pluies qui peuvent parfois être faibles à modérées. Et voilà pour demain matin. Demain après-midi, il y a comme je l'ai dit, le ciel de traîne prend vraiment beaucoup plus d'ampleur sur les régions de l'ouest, avec donc des averses qui peuvent se présenter avec un caractère orageux. Et puis sur le sud-est du pays, on retrouve des conditions toujours très pluvieuses, avec donc le passage de cette dégradation, avec des pluies très active sur la Méditerranée, quelques chutes de neige encore à très haute altitude en montagne. En soirée, ça va se calmer un petit peu sur la région du sud-est. La perturbation sera passée. On retrouvera donc un peu plus de calme au niveau des précipitations. Sur le sud-ouest du pays, on retrouve toujours ces averses qui peuvent se déclencher, et cela jusque sur les Ardennes. Et possiblement même en se prolongeant jusque vers la Normandie. Mardi, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup de nuages, une nouvelle fois attendus, des averses qui se développent un peu de partout. On a l'arrivée d'une nouvelle dépression assez active, notamment en matinée de mercredi sur les régions du sud-ouest, plus vers le nord de l'Aquitaine. On retrouve aussi sur le Limousin des pluies qui sont très actives. Sinon, ailleurs, c'est des pluies généralement faibles à modérées, mais on retrouvera une zone de pluie particulièrement active, notamment sur la Manche. Et donc voilà, eh bien, c'est la fin de ce bulletin. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Ciao!